donne d'être dans ta présence. Given us to be in your presence, oh Seigneur. Lord. Envoie ton esprit. Send your spirit. Et que ton esprit nous inspire. Afin que, Seigneur, so that, le diable se taise au milieu de nous. La chair se taise au milieu de nous. Les démons se taisent au milieu de nous. Dans le nom de Jésus. Et que le Saint-Esprit nous parle. Que le Saint-Esprit parle. Que le Saint-Esprit parle à son peuple. En ce jour de Pentecôte. En ce jour de la grande moisson. En ce jour de la grande promesse. Que l'Esprit se manifeste. Que l'Esprit agisse. Que l'Esprit se glorifie. Et que l'Esprit glorifie le nom du Seigneur Jésus. Que l'Esprit glorifie le nom du Dieu Tout-Puissant. Que l'Esprit maintenant se manifeste au milieu de nous. Afin que nos vies soient plus pareilles. Seigneur, agis puissamment. Que maintenant, le cœur soit comme des terres arrosées. Des fleurs propices à recevoir ta sémence. Et que ces sémences puissent produire des fruits dignes de toi dans notre vie. Et que, Seigneur, ces paroles nous transforment. Ces paroles nous changent. Et que nous ne soyons plus la même personne. Dans le nom de Jésus. Et qu'à partir d'aujourd'hui, au travers de ces paroles, nous soyons des enfants victorieux. Que nous soyons attachés au Seigneur Dieu Tout-Puissant. Que nous marchions dans l'obéissance et la sanctification. Et que nous marchions de victoire en victoire. Que la gloire, l'honneur te revienne. Alléluia. Amen. 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 On acclame le Seigneur. Give the Lord a clap of praise. Alléluia. Give the Lord a clap. Que le Seigneur vous bénisse. May the Lord bless. Amen. Amen. Prenez courage. Take courage. Aujourd'hui, ça ne sera pas trop long. It won't be long today. Alléluia. Amen. Parce que j'ai déjà fait une partie de la tribulation. So I already spoke about one part. Donc la dernière fois, j'ai parlé de la tribulation. Last time I spoke about après l'enlèvement de l'église. After the rapture of the church. Il y aura des temps difficiles qui vont arriver. There will be difficult times. Et ce temps-là, on appelle ça la tribulation. And that time is called the tribulation. Et ce temps va durer 7 ans. And it will last for 7 years. Parce que ce sera un temps difficile. Because it will be a time that will be very, very difficult. Et ce temps sera partagé en deux temps. And it will be divided une partie qui sera 3 ans et demi. The first 3 and qui a sera half la tribulation. Will be the tribulation. Et l'autre partie qui va venir après, and the second qui sera 3 ans et demi aussi, will also qui last sera three la grande and a half years, tribulation. Will be the great tribulation. Donc, je suis en train de parler des événements so qui vont se passer pendant la tribulation. That are going to happen during the tribulation. Et la dernière fois, and the last avant time, de terminer, j'avais dit que la tribulation va durer 7 ans. Ending, I said the tribulation would last 7 years. Amen. Amen. Donc, je continue aujourd'hui. So I'm going to continue pendant today. La tribulation, during the tribulation, il y aura des faux prophètes. There will be false prophets qui vont accomplir des signes et des prodiges. Will work signs and wonders. Ils vont faire des miracles. They will perform miracles. Alléluia. Amen. Pendant la tribulation. During the tribulation. Ils vont avoir des miracles. There will be miracles. Mais les miracles seront opérés. But they will be performed par ces faux prophètes. By these false prophets. Et ils vont démontrer des signes. On va avoir des signes. They will show signs. Mais c'est le diable qui va leur donner cette puissance. But it's the devil giving them their power. Et ils vont faire ces miracles. And they will perform pour pouvoir gagner beaucoup de personnes, to win over many people, beaucoup de chrétiens. Many Christians. Alléluia. Amen. Donc, on va lire so let us read Matthieu 24. Matthew 24. Alléluia. Amen. Matthieu 24. Matthew 24. Amen. Du verset 22, verses 22 au verset 24. To 24. Qu'est-ce que la Bible dit? What does the Bible tell us? Donc, je prends Matthieu 24. Matthew 24. Amen. Et si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas. Car il se lèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Alléluia. Amen. Amen. So it's Matthew 24, verse 22. And except those days should be shortened, there should be no flesh saved. But for the elect's sake, those days shall be shortened. Then if any man say unto you, lo, here is the Christ, or there, believe it not. For there shall arise false Christs and false prophets, and shall show great signs and wonders, insomuch that, if it were possible, they should deceive the very elect. Nous allons lire aussi 2 Thessaloniciens 2. So let's turn over to 2 Thessalonians 2. Du verset 8 au verset 10. Verses 8 to 10. La Bible dit, et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Alléluia. And, amen. 2 Thessalonians 2, verses 8 to 10. And then shall that wicked one be revealed, whom the Lord shall consume with the spirit of his mouth, and shall destroy with the brightness of his coming. Even him who,
whose coming is after the working of Satan with all power and signs and lying wonders and with all deceivableness of unrighteousness in them that perish because they received not the love of the truth that they might be saved. Nous allons prendre aussi Apocalypse 13. We're going to turn to Revelation 13. Du verset 11 au verset 13. Verses 11 to 13. Donc Apocalypse 13, du verset 11 au verset 13. Revelation 13, verses 1 to 13. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait deux cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre et à la vue des hommes. Amen. Alléluia. Amen. Revelation 13, verses 11 to 13. And I beheld another beast coming up out of the earth, and he had two horns like a lamb, and he spake as a dragon. And he exerciseth all the power of the first beast before him, and causeth the earth and them which dwell therein to worship the first beast, whose deadly wound was healed. And he doeth great wonders, so that he maketh fire come down from heaven on the earth in the sight of men. Enfin, on va lire Apocalypse 16. So we're going to turn to Revelation 16. Du verset 13 au verset 14. Verses 13 and 14. La Bible dit, et je vis sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète trois esprits impurs semblables à des grenouilles. Car ce sont des esprits des démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Amen. Amen. Revelation 16, 13 and 14. And I saw three unclean spirits like frogs come out of the mouth of the dragon and out of the mouth of the beast and out of the mouth of the false prophet. And they are the spirits of devils working miracles which go forth unto the kings of the earth and of the whole world to gather them to the battle of that great day of God Almighty. Alléluia. Amen. Donc, je vous ai dit que pendant le temps de la tribulation, during the time of the tribulation, le diable va utiliser des faux prophètes. The devil will use false prophets. Ou des faux serviteurs de Dieu qui vont faire des miracles. Who will perform miracles. Mais les miracles qu'ils vont faire, but the miracles donc on dit ce sont des signes et des prodiges. These will be called signs and wonders. Mais ces signes et ces prodiges, but these signs and wonders, vont être inspirés par le diable. Will be inspired by the devil. Comme ici, quand on prend Apocalypse 13, du verset 11 au verset 13, like when we turn to Revelation 13, 11, on parle d'une bête qui sort de la terre. It talks about a beast coming out of the on veut parler du faux prophète. It talks about the false parce que prophet. L'antichrist, because the antichrist, qui sera un homme, who will be a man, politique, a political figure, un homme, a man, en même temps aussi qui va régner sur 12, il va travailler avec 12 pays très puissants. At the same time, he will work with 12 powerful nations. Qui vont constituer son armée. He will build his army. Mais l'antichrist, but the antichrist, il va travailler aussi will also work avec un faux prophète, with a c'est-à-dire false un prophet, chef religieux. A religious c'est pourquoi leader. La Bible dit, that's why the Bible c'est une bête. He is a beast. Il avait deux cornes. He has two horns. Qui est semblable à celle d'un agneau. That resembles those donc, of a lamb. Donc, quand il vient, so when he comes, cette bête-là, this beast, parce que l'antichrist, lui, c'est la bête qui sort de la mer. Because the antichrist is a beast that comes out of the sea. Le faux prophète, lui, c'est la bête, mais qui sort de la terre. But the false prophet will be the beast il coming out of the cornes, earth. He will have two horns. Mais il va prendre la forme d'un agneau. But he will take the shape of a lamb. Comme le Seigneur Jésus est agneau, on l'a représenté comme l'agneau de Dieu. Because the Lord Jesus is represented as the Lamb of God, he will represent himself donc as a lamb. Donc l'aspect qu'il va prendre. That is the aspect. Donc ça sera un chef religieux. He will be a religious leader. Et il va exercer toute l'autorité de la première bête. And he will exercise all the power of the first. Il va avoir l'autorité. He will have authority. Donc il va travailler avec l'antichrist. So he's going to work with the antichrist. Et lui, son rôle, and his role, ça sera d'amener toutes les religions, is to bring all the religions, à une seule religion. Into one. C'est ce qu'on appelle le communisme. That's what we call ecumenicalism. C'est-à-dire que toutes les religions vont se mélanger. That means all the religions will be united as one. Nous avons appris des catholiques, no nous avons appris des évangéliques, tout ça là. No more Islam. Et no c'est le chef religieux. And it's the religious qui leader. Qui est aussi qui a la puissance d'une bête. That has the power of the beast. Et qui a l'apparence. And has donc il va avoir l'apparence d'un agneau. He has the appearance of a quand lamb. On va le voir. When you look at him, on va dire mais il est religieux. You'll say well he's religious. Il sera simple. He'll be simple. Ça serait un homme d'épaisse, apparemment. He'll be apparently look like a man of peace in his appearance. Mais au fond, but at the end, il fait le travail du diable. He's doing the au fond, la puissance qu'il a, ça vient du diable. The power that he has comes donc from the il va devil. Essayer de réunir toutes les religions. So he's going to gather all the religions together. Que ce soit les religions bouddhistes, whether toutes les religions, Buddhism, une seule religion. It'll be one est-ce qu'on appelle religion. Le communisme. That's what we call ecumenicalism. Et
Il va avoir son autorité, il va avoir le pouvoir, il va travailler ensemble avec l'Antichrist. And he will work together with the Antichrist and gain his power from him. Il va travailler. He's going to work. En ayant l'inspiration de l'Antichrist. Under the inspiration of the Antichrist. Et on dit qu'il va faire de telle sorte que tous les habitants de la terre adorent l'Antichrist. And he will cause all the inhabitants of the earth to worship the Antichrist. Et ce faux prophète, and this false prophet, il va faire des miracles. Will perform miracles. Mais les miracles qu'il va faire, but the miracles he'll perform, ça va venir du diable. Will come from the devil. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc faites très attention. So be very careful. Aujourd'hui, today, il y a des gens qui ont l'apparence. There are people that appear. On vous a très souvent trompé. That appearances. On vous a fait croire que le pasteur ou bien le prophète, bien chose. They believe that the pastor or the prophet. C'est quelqu'un qui marche comme il est malade. It's somebody who walks like he's sick. Ça dit comme il se porte pas bien, marche doucement. It's like he's always. Il parle doucement. He has to walk on tippy toes, he has to talk softly, he has to whisper. C'est ce qu'on a mis dans la tête des gens. This is what they put donc in our head. Donc un pasteur tente de reprendre quelqu'un. So when a pastor is rebuking somebody, he talks a little tough. They say, oh, he's not a good pastor. Amen. Amen. Regardez Jésus. Look at Jesus. Si vous avez bien lu la Bible. If you've read the Bible quand properly. Quand tu lis la Bible. When you read the Bible. Tu as l'impression que Jésus aime plus les chicanes que. You think that Jesus just parce loves to pick a fight? Partout Jésus est passé. Because wherever il avait toujours des problèmes avec les gens. He had problems with people. En tout cas, je sais pas. Moi, dans ma Bible, c'est ce que je vois. That's what I see in my Bible. Il reprenait les gens. He rebuked people. Même son proche collaborateur Pierre. Even his close friend Peter. Il a dit à Pierre un jour. He told Peter one day. Je vais mourir. He says I'm going to die. Après, je vais ressusciter. And then I will be raised Pierre again. Il a dit, ne dis pas ça. Peter says, don't il s'est say tourné, that. Il a dit, arrière de moi, Satan. And he turns to Peter and says, get behind ça, c'est pas moi qui dis à Jésus. I didn't say Jesus did. Donc il y a des fois quand tu vois le Seigneur parler. So when you see that the Lord is par talking par rapport à ce que les gens présentent des serviteurs de Dieu. You know, according to what people present of the servants qui montrent que c'est quelqu'un qui est. They say that the servants of God should be these, this. Ça ressemble pas, ça ressemble pas au Seigneur. It does not look like what il rentre dans le temple. He goes il voit les gens qui sont en train de vendre. Il renverse tout. And he turns everything over. Il y a des gens qui vont dire non. There are those who say, il faut pas vendre. No, you can't sell. Jésus l'a vu. Est-ce que Jésus a dit ça? Did Jesus say that? Il a dit vous faites de la maison de mon père. He says, une caverne de voleurs. You are making tout ramasser, tout renverser. My father's house a den of thieves, and he took everything up. C'est pas ce qu'il avait. Isn't that what he did? Même quand l'autre avait besoin de lui, le roi Hérode. Even when Herod wanted to talk to him. Il allait dire à celui-là. Nah. He said, you are a fox. Alléluia. Amen. Donc quand tu l'entends parler, so when you hear Jean-Baptiste encore était pire. John the Baptist was even worse. Quand il était en train de prêcher, when he was preaching, il dit qu'il a vu les sacrificateurs et les pharisiens venir vers lui. When he saw the Pharisees coming, qui étaient comme les hommes, les chefs religieux. Who was like the religious leaders? Il a dit race de vipères. He said race of vipers. Qui vous a appris à fuir la colère à venir? Who has taught you to come from the wrath to come to flee? Comment il peut appeler des chefs religieux race de vipères? How could he call religious alors leaders? Alors qu'ici on parle un peu, vous êtes fâchés. But we talk to you a little bit here, you get vous, mad. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont parties écouter. Because many people went to listen. C'est faux, l'antichrist parce que c'est l'enseignement des antichrists. To these antichrist teachings. Qui font croire que that make them believe. Le pasteur, that the pastor n'a pas le droit de reprendre les gens. Does not have the right to rebuke il doit parler anybody. Comme. He has to talk, whisper. Parler doucement. He has to whisper. On reprend. No, you rebuke. Alléluia. Amen. 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 Donc quand vous lisez dans la Bible, vous voyez que les gens reprennent. You see, in the Bible, people were rebuked. Alléluia. Amen. Vraiment, l'Église est en danger. The church is in danger. Parce que le New Age est rentré dans l'Église. Because the New Age has entered the church. Il y a des pasteurs New Age qui enseignent ces genre de choses. Pastors, New Age pastors that are teaching these things. Les francs-maçonnés sont rentrés dans l'Église. Freemasonry has il faut entered croire the church. Aux gens qu'on ne doit pas parler aux gens, on doit les laisser. That you have to leave people alone. Si on, don't on laisse to them. L'homme, comme ça, l'homme va faire du n'importe quoi. So if you leave them alone, they'll do nonsense. L'homme doit être contrôlé. Man has to be controlled. Il y en a qui dit, on contrôle. Mais il faut contrôler pour ne pas qu'il y ait du n'importe quoi. You have to talk to him so he doesn't do nonsense. Alléluia. Amen. 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 Jésus est parti ça, il était avec ses disciples. Jesus was with his disciples. Les gens lui disent, and people said, il dit oui, l'heure est arrivée où je dois partir. He said the time has come for me to leave. Tout le monde était là. Everybody sat there quietly. Les gens étaient là. People were there. Il dit à quelqu'un qui va me tromper. He says somebody is gonna betray me. On a l'impression que le Seigneur il aime tous les problèmes. You feel that the Lord loves to pick a fight. Si tu es parti, tout le monde est triste. Everybody voilà is sad. Voilà, ils sont là en train de compatir à ta douleur. You know they're compassionate voilà, with his pain. Un, parmi vous il y a un démon. And he says one of you is a demon. Mais sincèrement. Sincerely. Franchement, la manière dont les gens présentent la Bible, really, c'est pas comme ça. Way people present the Bible. Mais en quoi est-ce que l'amour de Dieu est
l'amour est manifesté. But how is God's love l'amour manifested? De Jésus Jesus' love se manifeste is manifested dans le fait qu'il priait pour les malades. The fact that he prays for the sick. Il soutenait les gens. Mais il disait la vérité. He supported people, but he told the truth. Si tu pêches, if you sin, il ne va pas te dire ça fait rien. He's not going to say no more about it. Il va te dire va et ne pêche plus. He'll say go de and sin no quelque chose more, de pire t'arrive. So that nothing worse will happen. Il passait sous temps de dire la vérité. He spent his sa propre maman est venue lui dire. His own mother came to tell him. Des gens sont venus dire ta maman a besoin de toi. People came and said your mother needs you. Devant tout le monde dit où est ma mère. In front of everybody he says who is my mother? Who are my brothers? C'est ceux qui écoutent la parole la mettent en pratique. Those who listen to the word and put it into practice. One day Jesus. Il y a une femme qui dit, heureuse les mamans qui t'ont allaité. Blessed be the breast on which you suck. Jésus là, il a dit, heureuse plutôt ceux qui écoutent la parole et la mettent en pratique. And Jesus said, happier those who listen to the word and put it into practice. Si c'est vous, but it hadn't been you. Pourquoi tu parles comme ça, pas parler comme ça. When we tell you that, it's like, why are you talking to me like that? You have to be loved. Il faut reprendre la personne qui n'est pas dans la vérité. You have to rebuke somebody when they're not in the truth. Ça fait partie de l'amour. That is part of love. Est-ce que vous comprenez? Do you understand? Et c'est ça qui va se passer. And that's donc le faux prophète, so the false prophet, il va venir avec une certaine apparence d'agneau. Will come with the appearance mais of en fait, le pouvoir qu'il a, but the power that c'est he le pouvoir has du diable. Is the devil's power. Il va faire des miracles. He will perform miracles. Et vous qui aimez ça, and you who love that, vous allez le suivre comme des moutons. You'll follow him like sheep. C'est ça. And that's parce que vous allez le voir doux, calme. Because you'll see him, he's quiet, dites, he's calm. Voilà, vous dites, ah, comme il ne reprend pas les you'll gens, say because he doesn't n'est pas rebuke comme le prophète, anybody, that, prophète that tu fais une erreur et tu reprends. He's not like the prophet who rebukes you when you make tu vas a mistake. Le, il va faire des miracles. Tu vas dire, voilà, you're il fait des him, miracles. He's gonna make him mais d'où il tire sa puissance? Miracles, but where is he getting his power? Ça vient, on, dit, ils ont, on a bien dit, on dit, puis j'ai vu monter de la terre une autre bête. And it says here, I saw coming out of the earth another beast. Amen. Amen. Donc on parle des bêtes, on parle du diable. When it says the beast, it talks about the devil. Voilà, c'est ça. Mais il a l'apparence d'un agneau. But he donc, il va parler doucement, like a lamb. He's avec des talk, choses d'amour. He's gonna whisper, il va faire des miracles. Talk of love, tout ça pourquoi pour séduire les gens qui ne lisent pas la Bible, the people who qui ne mettent the Bible, pas leur foi dans le Seigneur. Who don't put their trust in the et c'est Lord. Ce qui se passe ici. And that's what's happening on, a, on a affaire à des gens, des chrétiens. We deal with Christians. Des fois, tu prends un chrétien. Sometimes faut prier. You tell a Christian, pray, pray. Il y a une soeur qui, la dernière fois, elle est venue ici. A sister came the last time. Et puis, des fois, je ne comprends pas les chrétiens. Sometimes I don't understand Christians. C'est-à-dire qu'ils veulent que nous, les pasteurs, on fait ce qu'eux, ils désirent. They want Christians want the pastor to c'est comme moi, je vais voir un médecin. It's like I go to see the doctor. Et puis, j'ai mal au ventre. And my stomach hurts. Et puis, je dis, docteur, and I said, doctor, tu vois, j'ai mal au ventre. You see, I have a stomachache. Prends ton truc, opère-moi. Take your tools. Quelque part ici, il y a, y a mon foie, il faut laisser le foie, puis il faut aller opérer you know, là-bas. Just go, attends. Donc, toi, tu es docteur, ou c'est celui qui est docteur. You know, who's the doctor? You or him. C'est ce que les chrétiens viennent. And this is what the Christians tu viens, je te dis, you come, I tell l'esprit you, qui t'attaque là, the spirit that's attacking faut prier avec force. Pray with strength. Je ne te vois pas prier comme ça ici. I don't see you praying tu like that. Tu dis aux gens que oui, j'ai crié sur toi. You're going to tell people I screamed at you? C'est quoi tout ça? Il y a des gens qui veulent, il y a des gens qui veulent pas qu'on les parle dans les églises. There are people who don't want you to talk to them. Il y a des gens qui veulent pas qu'on les parle. You can't even qu'on speak les dise a word. Ce qu'il faut. Tell them what they're doing wrong. Mais ça c'est quel genre de personnes ça? What kind of person? Ah mais ça vous crie c'est quoi? J'aime me marier. You know, I want to get c'est pour aller faire souffrir enfin des gens là-bas. Now you're going to make other people's children suffer. Mais c'est vrai. Si tu maries une femme comme ça mais tu vas mourir avant que Jésus arrive. You'll die before Jesus comes back. Mais c'est vrai. It's true. Parce que les gens sont trop compliqués. Il y a des gens qui ne veulent pas qu'on leur parle. People don't want mais comment tu peux grandir si on ne te parle pas? How will you grow if we don't talk to you? C'est ça. That's it. Alléluia. On ne doit pas leur parler. You on ne doit pas leur dire ce qu'il faut. You can't tell them what's wrong, what they're doing wrong. Et, ça coûte ça, et puis ça coûte ça, vous souffrez. And that's why you parce qu'on ne doit jamais vous dire quelque chose. Because we could never tell vous, voulez, vous voulez faire des choses selon ce que vous pensez. You want to do what you think is right. Mais des fois, ce qu'on pense, ce n'est pas ça. But sometimes what you think is right. Alléluia. Right. Donc c'est ça. So that's the problem. Amen, non. Amen. Donc c'est ce que je vous présente le Seigneur. Quand so, tu lis bien la Bible, you know, when you read the tu vois Bible que le Seigneur, il était direct. You'll see that the Lord was mais c'est dans cette façon d'être direct, c'est la façon pour lui de manifester son amour. That was his way of parce que son désir, c'est qu'on soit sauvé. Or le diable, il n'est pas direct. He's not direct. Mais c'est pour te perdre. But he wants to lead you il te trompe. Parce qu'il veut te gagner pour te perdre. Et c'est ce que le faux prophète va comprendre. Et c'est ce qu'ils vont faire. Donc il aura des signes et des prodiges. So he'll perform signs and pour bien te tromper, to really deceive il va tolérer même tes erreurs. He will tolerate your mistakes. Il va tolérer tes péchés. He will tolerate your sin. Et puis il va faire des prodiges. And he will do signs et t'encourager dans ta mauvaise vie. To encourage et quand you tu vas mourir, life, and when you die, tu vas te retrouver en enfer. You'll end up in et tu seras en train de regretter. And then you'll regret. Mais c'est déjà trop tard. But then it will be too late. Il y a un monsieur qui buvait avant. There's a man that used to drink alcohol before. He was a Christian. Il avait une maîtresse, tout ça là. He was drinking alcohol, had a mistress. Lui-même l'a rendu sur témoin qu'il est mort. He even testified when he died. Il est tombé malade, puis il est mort, il est parti. He fell sick and died. Il est arrivé devant le Seigneur. And he stood before the Lord. Il dit, Seigneur, and he said, Lord, je sais que je vais aller au paradis. I know I'm going to heaven. Parce que je t'ai servi. Because I served you. Le Seigneur a dit, qui t'a dit?
dit, il dit qu'il a entendu la voix du Père. He heard the thundering voice of the Father. Il voulait rentrer dans le sol. He wanted to just dive into the earth. Who told you that? Il a entendu trop tard. He heard the words too late. Dieu lui a fait la grâce de revenir. God gave him the grace to come back. Amen. Amen. Il a tout compris. He understood. Qu'il faut mettre sa vie en règle. That he had to set his life Alléluia. In order. Donc faisons attention. So let us be careful. Notre croyance Our belief doit pas être basée should not be founded sur les signes et les prodiges. On signs and miracles. Notre croyance Our belief doit avoir pour base should have la a foundation parole de Dieu on, in the word of et God. Maintenant and now, les signes et les prodiges doivent accompagner. The signs and wonders will follow. Alléluia. Amen. 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 Donc voici, donc c'est ce que la bête va faire. So this is what the beast is going to do. La parole de l'agneau. He's going to have the appearance of the lamb. Alléluia. Amen. 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 Dans ces mêmes périodes aussi. And in the same time period. Qu'est-ce qui va se passer? What's going to happen? L'évangile sera prêché. The gospel will be preached. Par les Juifs. By the Jews. Par les anges. By the angels. Amen. Amen. Pourquoi? Why? Vous savez? Do you know? Quand il y aura l'enlèvement, when the rapture Jésus, happens, le Seigneur Jésus va venir enlever qui? The Lord is going to rapture whom? Son église. His church. Les chrétiens. The Christians. Les vrais chrétiens. The true Christians. Aujourd'hui, on a oublié de mettre vrais. Today we Avant, have on disait les chrétiens. True. Before we could mais say just Christians. À mesure que le temps passe, but as on time a oublié de along, les vrais chrétiens. We have to say true le Seigneur Christians. Va venir prendre les vrais chrétiens. The Lord is going to come and take ceux up the true qui craignent le Seigneur, those who ceux fear qui vont être Lord, enlevés. Those will be the ones raptured. Donc, le chrétien qui ne va pas être enlevé, so the Christians who are left behind. They will Mais je vais vous parler here. Après des chrétiens qui vont rester. And I'm going to talk about those Christians who are left behind. Ceux qui vont à l'église qui ne sont pas qui, those qui sont pas enlevés. Je vais vous parler de ça après. And who are not raptured. Donc les vrais chrétiens seront enlevés. So true Christians Et la Bible will be dit que ce qui va retirer l'antichrist, le diable, what will hold va back the être devil retiré. Will be removed. On parle du Saint Esprit qui We're ne sera pas là. The Holy Spirit that will no longer be there. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce qui va se passer? And what's going to happen? En ce moment-là, at that point, comme les chrétiens ne sont plus là pour annoncer l'évangile, because the Christians won't be there to preach the gospel, les vrais chrétiens, the real Christians, qu'est-ce qui va se passer? What's going to happen? Le Seigneur, the Lord, dans sa bonté, in his comme il a dit à Israël, because he told Israel, qu'il les a laissés dans le livre de Romains là, that he left l'apôtre them, Paul a parlé de ça, that he forsook them in the book of Romans. Le Seigneur va repartir encore vers Israël. The Lord will go back to Israel. C'est un Dieu de miséricorde. He is a merciful God. Il les avait laissés un temps. He left them alone for a time. Parce qu'ils ne voulaient pas écouter le Seigneur. Because they didn't want to listen Et to the Et le Seigneur Lord. S'est tourné vers les païens. And the Lord turned to the pagans. Et nous on a reçu la grâce. And we have received that grace. Maintenant, But quand now, l'église est enlevée, when the church le Seigneur is raptured, va se retourner vers Israël. The Lord is going to go back to Israel. La Bible dit, the Bible says, le Seigneur va les choisir. The Lord is going to 144,000. 144 000 juifs 144, 000 des 12 tribus d'Israël. From the 12 il va prendre 12 000 par tribu. C'est une grâce. Il va partir les choisir. Et ce sont them. Eux qui sont les missionnaires. C'est eux qui vont annoncer la parole maintenant. Alléluia. Amen. On peut lire ça dans Apocalypse 7. We'll read that in Revelation 7. Du verset 1 au verset 4. Verses 1 to 4. Il y en a qui disent qu'il y aura 144 000 qui seront sauvés. There are those who say there will be 144,000 in non, total ça, c'est saved. Une erreur. Après, vous allez savoir but that's que a mistake. Ceux qui ont dit 144 000 seront sauvés, ils sont trompés. So you'll see that those who say only 144,000 will be saved. Apocalypse 7. Oh. So Revelation 7. Du verset 1 au verset 4. Verses 1 to 4. Après cela, je vis quatre anges debout aux quatre coins de la terre, et ils retenaient les quatre vents de la terre, afin qu'il ne souffle point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux quatre anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël, de la tribu de Juda, 12 000 marqués du sceau, de la tribu de Ruben, 12 000, de la tribu de Gad, 12 000, de la tribu d'Asser, 12 000, de la tribu de Nephtali, 12 000, de la tribu de Manassé, 12 000, de la tribu de Simeon, 12 000, de la tribu de Lévi, 12 000, de la tribu d'Issacar, 12 000, de la tribu de Zabulon, 12 000, de la tribu de Joseph, 12 000, de la tribu de Benjamin, 12 000, marqués du sceau. Alléluia. Amen. Revelation 7, verse 1. And after these things, I saw four angels standing on the four corners of the earth, holding the four winds of the earth, that the wind should not blow on the earth, nor on the sea, nor on any tree. And I saw another angel ascending from the east, having the seal of the living God. And he cried with a loud voice to the four angels, to whom it was given to hurt this earth and the sea, saying, hurt not the earth, neither the sea, nor the trees, till we have sealed the servants of our God in their foreheads. And I heard the number of them which were sealed, and they were sealed 144,000 of all the tribes of the children of Israel. Of the tribe of Judah were sealed 12,000. Of the tribe of Reuben were sealed 12,000. Of the tribe of Gad were sealed 12,000. Of the tribe of Asher were sealed 12,000. Of the tribe of Naphtalim were sealed 12,000.
Of the tribe of Manasseh were sealed 12,000. Of the tribe of Simeon were sealed 12,000. Of the tribe of Levi were sealed 12,000. Of the tribe of Issachar were sealed 12,000. Of the tribe of Zebulun were sealed 12,000. Of the tribe of Joseph were sealed 12,000. Of the tribe of Benjamin were sealed 12,000. Amen. Amen. Apocalypse 11. Revelation 11. Du verset 3 au verset 6. Verses 3 to 6. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser revêtus de sacs pendant 1260 jours. And I give on... Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'il soit tué de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaies chaque fois qu'ils le voudront. Amen. Amen. Revelation 11, verses 3 to 6. And I will give power unto my two witnesses, and they shall prophesy 1,260 days, clothed in sackcloth. These are the two olive trees and the two candlesticks standing before the God of the earth. And if any man will hurt them, fire proceedeth out of their mouth and devoureth their enemies. And if any man will hurt them, he must in this manner be killed. These have power to shut heaven that it rain not in the days of their prophecy, and have power over waters to turn them to blood and to smite the earth with all plagues as often as they will. Amen. Amen. Et enfin, Apocalypse 14, and to end Revelation 14, du verset 6 au verset 7. Verses 6 and 7. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation et à toute tribu et à toute langue et à tout peuple. Amen. Amen. Okay. Revelation verse. Non, je vais lire le 7. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Amen. Amen. Revelation 14, verses 6 and 7. And I saw another angel fly in the midst of heaven, having the everlasting gospel to preach unto them that dwell on the earth, and to every nation and kindred and tongue and people, saying with a loud voice, Fear God and give glory to him, for the hour of his judgment is come, and worship him that made heaven and earth and the sea and the fountains of waters. Alléluia. Amen. Donc j'ai dit que so l'évangile dans ce temps-là, days, puisque l'église sera enlevée, raptured, et les chrétiens, les vrais, seront enlevés, le Seigneur va se tourner d'abord vers Israël, vers les tribus d'Israël. Ça sera un mystère. It will be a mystery. Il va les choisir dans chaque tribu 12 000 personnes. 12, from each c'est eux qui font les 144 000. Ils seront marqués par le sceau du Seigneur. Comment il va choisir, la Bible n'a pas expliqué. Mais il va aller dévoiler la conscience des Juifs. Leur conscience sera dévoilée. C'est-à-dire le voile qui les empêchait de comprendre que Jésus est le Fils de Dieu. Ce voile va être déchiré. Et ils vont recevoir la révélation que c'est Jésus qui est le Fils de Dieu. Et en ce moment, ils vont descendre maintenant pour annoncer la parole. C'est eux qu'on va appeler les missionnaires juifs. Mais qu'est-ce qui va se passer? Ce n'est pas parce qu'ils ont reçu le sceau que le diable ne peut pas les tuer. Arrivé un moment, le diable va les traquer. Parce qu'il ne veut pas que pendant ces périodes-là, la parole soit annoncée. Et ils vont être tués. And they will vous allez killed. Voir que après je vais vous lire la partie où ils sont dans le ciel et puis ils demandent au Seigneur de les venger. Mais après cela, vous voyez aussi que le Seigneur va faire venir deux témoins. The Lord will bring down two witnesses. Qui sont ces témoins? Who are these on ne sait pas. We don't know. Mais ces témoins ont la puissance d'Élie, le prophète Élie, et la puissance du prophète, comment on appelle ça? Moïse. And the prophet Moses. Alléluia. Amen. Ils ont la capacité de faire descendre le feu du ciel. They have the ability to make fire come down from heaven. Et ces deux prophètes, eux aussi vont annoncer la parole. They will preach the word. Et l'Antichrist va s'attaquer à eux. Il va aller les tuer. Et publiquement, publicly, leur corps va rester pendant 3 jours. Et le troisième jour, leur corps ils vont revenir à la vie. And on the third day, their bodies will et puis après, le life. Seigneur va les faire monter au ciel. And the Lord will bring them up to heaven. Il y en a qui disent que ces deux prophètes-là, il y en a qui disent que c'est Élie, la Bible n'a jamais dit ça. The Bible doesn't mais specify. Par contre, la manifestation de la puissance ressemble à la manifestation de la puissance que Élie a manifestée, like et aussi la manifestation de la puissance que Moïse a manifestée. And also the power that Moses manifested. Est-ce que vous comprenez? Do you understand? Donc, après ça, so after that, quand ces deux témoins
vont être tués et puis enlevés au ciel. C'est un ange maintenant qui va annoncer l'évangile. C'est ce que j'ai lu là. Où il va crier partout dans le ciel, on va voir, il va annoncer l'évangile. Pour dire aux hommes de croire en Dieu, de croire en celui qui a créé les eaux, le ciel et la terre, et de l'adorer. Alléluia. Amen. Et il faut savoir aussi que durant cette période-là, vous avez posé la question. Les chrétiens sont partis. Qu'est-ce qui va se passer? So what's going to happen? Les Juifs, les 144 000 missionnaires vont annoncer la parole. The 144, les deux témoins vont annoncer la parole aussi. La parole va continuer à être annoncée par les 144 000 missionnaires juifs qui vont être tués après, par les deux témoins qui vont aussi être tués et puis enlevés au ciel, et aussi par un ange. Mais la parole sera annoncée à qui? Cette parole sera annoncée aujourd'hui à ceux qui sont là comme des païens, qui n'ont pas eu la grâce d'entendre la parole, qui n'ont pas reçu le baptême, qui n'ont pas encore fait la confession de foi. Quand l'église sera enlevée, c'est à eux là, c'est eux qui peuvent avoir la possibilité de pouvoir accepter. C'est à eux que la parole sera annoncée. Comme aujourd'hui où nous sommes. Il y a des gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Ils sont dans le monde, on a des frères, des amis, des collègues, ainsi de suite, qui ne connaissent même pas totalement le Seigneur. Ces personnes-là, quand l'église sera enlevée, eux, c'est à eux que les missionnaires juifs vont annoncer la parole. Parce qu'ils n'ont pas encore eu cette grâce-là. Et certains seront sauvés. C'est que Jésus, c'était une période dure. Parce que quand tu as accepté Christ dans cette période-là, ça sera difficile. It will be very mais ceux qui vont persévérer vont être sauvés. Alléluia. Parce que pendant ces périodes-là, la manifestation des activités diaboliques sera très développée, intensifiée. Le diable va persécuter, contrôler tout le monde. Ceux qui vont accepter la vraie parole, ça sera difficile pour eux. C'est pourquoi le Seigneur dit qu'il a rendu le temps court. Il a fait ça 7 ans. Amen. Mais ceux qui vont entendre la parole, il y en a qui vont être, on va couper la tête de certaines personnes même. Parce que vraiment la persécution sera très fort. Mais ceux qui vont persévérer, eux ils vont être sauvés. Amen. On peut lire ça dans Apocalypse 7. We can read that in Revelation 7. Alléluia. Du verset 9 au verset 17. Verses 9 to 17. Donc on va prendre Apocalypse 7. Turn to Revelation 7. Amen. On va commencer au verset 9. Let's start at verse 9. Suivez très bien. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter. De toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue, ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et des quatre êtres vivants, ils se prosternaient sur leur face devant le trône et ils adoraient Dieu en disant, Amen. La louange, la gloire, la sagesse, l'action des grâces, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur. Car l'agneau qui est au milieu du trône les pètera et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute l'âme de leurs yeux. Amen. Amen. Revelation 7, verse 9. After this I beheld, and lo, a great multitude, which no man could number, of all nations and kindreds and people and tongues, stood before the throne and before the Lamb, clothed with white robes and palms in their hands, and cried with a loud voice, saying, Salvation to our God, which sitteth upon the throne and unto the Lamb. And all the angels stood around about the throne, and about the elders and the four beasts, and fell down before the throne on their faces and worshipped God, saying, Amen, blessing and glory and wisdom and thanksgiving and honor and power and might be unto our God forever and ever. Amen. And one of the elders answered, saying unto me, What are these which are arrayed in white robes, and whence came they? And I said unto him, Sir, thou knowest. And he said unto me, These are they which came out of the great tribulation, and have washed their robes, and made them white in the blood of the Lamb. Therefore
Therefore are they before the throne of God and serve him night and day in his temple. And he that sitteth on the throne shall dwell among them. They shall hunger no more, neither thirst any more. Neither shall the sun light on them, nor any heat. For the Lord which is in their midst on the of the throne shall feed them, and shall lead them into, shall lead them unto living waters, living fountains of waters, and God shall wipe away all tears from their eyes. Alléluia. Amen. Donc ici, so here, ceux qui disent que loi seulement 144 000 qui sont sauvés, ils se sont trompés à cause du passage que je viens de lire. Parce que dans ce passage, il est dit qu'après cela, j'ai regardé et voici, il y avait une grande foule. Bon, on a dit une grande foule. Ça s'appelle les 144 000. Mais vous savez que les 144 000, ils viennent de la tribu d'Israël. Mais voici ce que le test dit encore. Que personne ne pouvait compter. On dit de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Donc ce n'est pas seulement les 144 000 juifs qui seront sauvés, mais des gens de toute nation, de toute tribu, de toute langue. C'est ceux-là qui étaient devant le... De toute race. C'est-à-dire, il y aura des blancs, des noirs, white, des chinois, tout, black, tout, tout. Chinese, donc, ça veut dire que ce n'est pas seulement 144 000 qui seront sauvés. Mais il y aura encore une autre foule. But there will be another multitude. Des gens de, tout les, de toutes les nations, people de toutes les races, nations, qui seront sauvés. Who will be saved. Et quand le vieillard a posé la question à Jean pour savoir, mais ces gens, ça c'est qui? And when the elder asked John, who are these people? L'apôtre Jean ne savait pas. The apostle John, il dit, je ne sais pas. He says, I don't know. Et mais il a dit au vieillard que toi tu le sais. And he told the elder, et le vieillard a donné l'explication. And the elder, il a dit, ces personnes-là, he said, those people, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Are those who came out of the great tribulation. Donc ça veut dire que ce sont les personnes, that means these are people, après l'enlèvement, after the c'est ces personnes-là qui seront sauvées. These will be c'est saved. Ceux-là qu'on va voir là-bas. Those you will see there. Je n'ai pas dit que c'est eux seulement qui seront sauvés. It's not only mais those c'est that will be saved. La foule qu'on a vue là, but the multitude c'est les gens qui viennent de la grande tribulation, c'est-à-dire après l'enlèvement. It's people coming out of the ceux great tribulation, qui ont entendu la parole, qui ont accepté le Seigneur after the rapture, who heard pendant the ces périodes-là, qui ont vécu la persécution, during that mais qui ont demeuré dans leur foi, and they were persecuted, c'est ceux-là. Non seulement il y aura les 144 000 missionnaires not, juifs, not only, mais aussi cette foule, des gens de toutes les races, of of de nations, toutes les nations, all kindreds, de toutes langues, all tongues, qui seront sauvés. They will be saved. Est-ce que c'est clair? Is this clear? C'est pourquoi il est bon de lire la Bible. That's why you have les to gens read qui the Bible. Lisent la Bible en technique, qui sautent les parties, là, ils lisent ici, you know, people who c'est jump très dangereux. And skip when they're reading the Bible is ça, very on appelle dangerous. Ça des enseignements ciblés. We call that sorting out the teachings. Quand tu lis la Bible, il faut tout lire. When you read it, read all quand of it. Tu lis et puis tu arrêtes une partie et puis tu laisses l'autre, you know, you read one ça, part and you ça leave n'a another. Pas de sens. That's, that makes no Alléluia. Sense. Amen. 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 Alléluia. Amen. Ok. Et je vous ai dit aussi que beaucoup de Juifs vont se tourner vers le Seigneur. And I said that many Jews will turn to the Lord. Amen. Amen. Après l'enlèvement de l'église. After the rapture of the church. Dieu même dans sa grâce va faire que beaucoup de Juifs vont se tourner vers lui. God in his grace will allow many Jews to turn to him. On va prendre d'abord Romains. Let's turn to Romans. Alléluia. Romains chapitre 11. Romans 11. Faut bien écouter, hein. Listen very carefully. Alléluia. Romains chapitre 11. Du verset 25 au verset 26. Romans 11, verses 25 to 26. Ça, c'est l'apôtre Paul qui écrit, qui parle. This is the apostle Paul speaking. Il dit, car je ne veux pas, frère, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages, c'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi, tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion, et il détournera de Jacob les impiétés. Alléluia. Amen. Romans 11, verse 25. For I would not, brethren, that you should be ignorant of this mystery, lest you should be wise in your own conceits, that blindness in part has happened to Israel until the fullness of the Gentiles be come in, and so all Israel shall be saved, as it is written, there shall come out of Zion the deliverer, and shall turn away ungodliness from Jacob. Alléluia. Amen. Vous voyez. So you see, l'église est en danger. The church is in danger. Quand on est venu ici, when we came here, on est tombé sur le mouvement messianique. We fell upon the messianic movement. Et ils disaient quoi? What did they say? Il y avait le mouvement messianique. The messianic il y avait des chrétiens qui étaient là-bas. There were Christians there. Et puis eux, ils partaient chercher leurs racines juives. And they were looking for their Jewish parce qu'ils disaient que tous les Juifs sont sauvés. Because they said that all the Jews were saved. J'ai dit, mais c'est écrit où? But I said, where et puis ils lisent ce passage-là. And they would read this parce passage. Qu'on dit, il dit ici, et ainsi tout Israël sera sauvé. And so all Israel shall be saved. Donc ils se sont basés sur ce petit verset-là. So they founded themselves dit, on tous that les Juifs sont sauvés. To say that all the Jews are saved. D'abord pour démontrer qu'ils mentent. To show that they're lying. Ou bien ils se trompent. Or that they're deceived. Premièrement. Firstly.
Judas Iscariot. Judas Iscariot. N'est-il pas juif? Wasn't he a Jew? Où il est parti? Where did he go to? N'est pas parti à l'enfer? Didn't he go to hell? Si tout Israël est sauvé. If all Israel is saved. Donc Judas Iscariot est sauvé? Judas Iscariot is saved. Pourquoi lui il s'en va à l'enfer lui spécialement? So, why is he specifically in hell? D'abord le brigand sur la croix. Look at the beggar on the cross. Il y avait the deux. Thief on this cross. There were two of them. Les deux étaient juifs. The two were Jews. Il y a un qui a dit à Jésus. One told Jesus. Souviens-toi de moi. Remember me. Jésus a dit tu seras avec moi au paradis. Jesus said today you will. Et l'autre qui n'a rien dit. And the one who didn't say anything. Qui insultait le Seigneur, il s'est retrouvé où? Who insulted the Lord? Where is he today? Pourtant il était juif. Yet he was a Jew. Le Seigneur parlait un jour avec les Juifs. The Lord talked to the Jews. Il dit, le Seigneur leur disait. And the Lord told vos pères c'est le diable. Your father is the devil. Les gens disent non, nos pères c'est Abraham. They said, no, our father is Abraham. Il dit, si vous connaissez Abraham, he says, vous allez me connaître Abraham, parce qu'Abraham a vu mon jour. You would know me because ils lui ont dit, toi, tu n'es pas encore 50 ans. He said, you're not even 50 years old tu dis, yet. Tu as vu Abraham. Pourquoi Jésus va leur dire que leur père est le diable? Why did Jesus say that their father was the devil? S'ils sont tous sauvés. If they're all saved. J'ai discuté avec un pasteur juif. I talked with a Jewish pastor. Un pasteur qui était dans le mouvement messianique. A pastor in the messianic movement. Mais, ça, mais vraiment, il y a des fois... Mon cœur me fait mal. My heart was hurting. Il m'a appelé. He called il m'a dit, j'ai appris que tu enseignes que... Et tu parles mal des Juifs. He said, I heard you're talking badly about the il Jews. Dit, moi, je parle mal des Juifs. I said, I'm talking badly qu'est-ce about que the tu racontes là? I said, but what are you saying? Il dit, non, les gens m'ont dit que... He said, people have tu told dis que les Juifs ne sont pas sauvés. That you said the Jews aren't saved. J'ai dit. I said. Dit, I told him. Le Seigneur a dit dans sa parole. The Lord said in his word. Qu'il voulait sauver Jérusalem. That he will save Jerusalem. Il voulait couver ses enfants. He wanted to cover up his children. Mais ils ont refusé. But they refused. Jusqu'à ce que... Until eux, ils vont crier à lui. They cry out to ils vont him. Crier... Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et à ce moment, il va descendre pour les sauver. C'est quand les juifs, ceux qui vont crier au Seigneur, ceux qui vont croire au Seigneur, qui vont crier à lui, c'est lui qui va venir nous sauver. Mais ce n'est pas les juifs, ce n'est pas tous les juifs qui sont sauvés automatiquement. Et j'ai commencé à parler, j'ai commencé à prendre les cas des Judas Iscariot. Et il y a beaucoup de... Donc, qu'est-ce que les gens faisaient? Il y avait des chrétiens, des chrétiens africains. They're African Christians. Latino. Latino Christians. Et ils partaient dans le mouvement messianique. Go into the messianic. Comme on leur a dit que tous les Juifs sont sauvés. And because they said all donc, the Jews ils se cherchaient saved, des racines juives. Looking for Jewish roots. Et puis comme ça pour eux ils sont sauvés. And to them that made them saved. J'ai dit quand même soyons réfléchis. I said come on let's think about donc, this. Vous voyez c'est facile donc ils se disent bon comme on dit tout Israël est sauvé. Because it says all Israel. Donc ils vont se chercher des racines juives. So they have to seek Jewish roots in their family. Et quand on leur donne une racine juive pour eux ils sont sauvés. When they have the Jewish when they find it they're saved automatically. Mais qui vous a dit ça? But who told you that? Donc je voyais des noirs qui étaient juifs. I saw black Jews. Je voyais des latinos qui étaient juifs. I saw Latino Jews. Je voyais des québécois qui étaient juifs. I saw Quebec Jews. Et tout le monde était devenu juif là-bas. Everybody was Jewish. Mais moi-même quand je suis parti, ils ont voulu trouver ma racine juive. Even I wanted to find my Jewish roots when donc, I went there. Le monsieur qui fait ça c'était so the guy who did that, c'est quelqu'un que j'aimais bien. It was a guy I liked a lot. Lui-même il est vraiment juif. He was a real Jew. He was really Jewish. Yeah. Donc lui so il m'avait donné une kippa, un petit chapeau là. To put on my il m'a donné une petite corde là. He gave me the tassels. Donc quand je rentre là-bas, je mets ma petite corde avec so mon truc. I wore my kippa and my tassels. Donc j'étais en train de chercher ma racine. So I was seeking my Jewish roots. Malheureusement, il est décédé. But unfortunately, he died. Mais je devais être de la tribu de peut-être Zabulon quelque chose. But I think I'm from the tribe of Zebulon. Alléluia. Amen. Vous voyez l'erreur. You see the mistake. Et ça c'est la faute aux chrétiens. And that's Christians' fault. Il y a des chrétiens qui savent pas lire. The Christians mais ceux don't know qui savent lire, qui sont à l'école. But those who know how to read and gone to school. C'est ta faute. It's your fault. Si tu lis pas. If you don't read. Amen. Amen. L'apôtre Paul même dit bien ici. The apostle Paul says. Il dit c'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement. He says that a part of that blindness in part has happened to Israel. Comme Israël est tombé dans l'endurcissement. He said because they're blind. Alors le Seigneur s'est tourné vers les païens. The Lord has turned towards c'est the Gentiles. Dit, jusqu'à ce, hein, he says also, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Until the fullness donc, of the Gentiles. Donc le Seigneur s'est tourné vers les païens. So the Lord turns quand on parle to the des Gentiles, païens, when we talk on about parle the des peuples qui ne sont pas juifs. The people who are non-Jews. Le Seigneur a fait la grâce et tourné vers eux. The Lord has given them grace. Il y en a qui ont accepté them. Le Seigneur. Jusqu'à ce que le Seigneur vienne chercher son église. Until the Lord comes to take his church. En ce moment-là. And at that point. Il va venir maintenant, dit le libérateur va venir. It says the deliverer will come. C'est-à-dire après l'enlèvement de l'église. That means after the rapture of the church. Il va venir maintenant. He will il va dévoiler la conscience des Juifs. He's going to unveil the conscience of the Jews. Et puis certains. And certain ones. Vont commencer à parler du Seigneur. Will start talking about the Lord. Alléluia. Amen. 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 On peut lire aussi Apocalypse 7. Let's read in Revelation 7. Du verset 1 au verset 8. Verses 1 to 8. Donc ceux qui ont lu qu'on dit tout Israël sera sauvé. So when it says all Israel shall on be saved. On ne parle pas de
on va dire que tous les Juifs automatiquement sont sauvés. It's not automatic. Not every single Jew will be saved. C'est-à-dire, en ce temps-là, quand le Seigneur va venir, quand le peuple, Israël va crier vers lui, it means when the Israel et parle de la guerre d'Amagedon, and they're going le to Seigneur the va venir sauver cette nation là, the Lord will go and save the qui Israel sera nation en guerre contre l'armée de l'Antichrist. That will be against the Antichrist army. Mais je vais vous parler de ça après. But I'm going to talk j'ai about that un peu after. Mais passé. Après, je vais vous parler de l'activité de l'Antichrist. I touched on it. I'm going to talk about it later. On va prendre Apocalypse 7. Let's turn to Revelation. Du verset 1 au verset 8. Verses 1 to 8. On va lire. Let us read it. Après cela, je vis quatre anges debout aux quatre coins de la terre. Ils retenaient les quatre vents de la terre, afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil, le vent, et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux quatre anges à qui il avait donné, à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000. Amen. Donc, je viens de lire là les 12 tribus. Alléluia. Amen. So it says in Revelation chapter 7, verse 1. And after these things, I saw the four angels standing on the four corners of the earth, holding the four winds of the earth, that the wind should not blow on the earth, nor on the sea, nor on any tree. And I saw another angel ascending from the east, having the seal of the living God, and he cried with a loud voice to the four angels to whom it was given to hurt the earth and the sea, saying, hurt not the earth, neither the sea nor the trees, till we have sealed the servants of our God in their foreheads. And I heard the number of them which were sealed, and they were sealed 144,000 of all the 12 tribes of the children of Israel. And amen. We read those before. Amen. Amen. Pour faire juste une petite synthèse avant de continuer. So before continuing, c'est que no, après l'enlèvement de l'église, that after the rapture of the church, les chrétiens ne seront plus là. Christians le Saint-Esprit ne va plus manifester ses activités. The Holy Spirit will not manifest his activities. Le Seigneur va venir. The Lord will il come. Va dévoiler la conscience he will unveil de 144 000 missionnaires juifs. Of 144 le problème, c'est que la Bible ne dit pas si ça va se faire automatiquement ou bien à différentes étapes. Or in different mais on sait que Dieu va toucher 144 000 juifs. Et ce seront eux que les missionnaires annoncer. Ils vont annoncer they la parole dans le monde entier. To preach the gospel in the whole world. Et pendant ces périodes-là, and during that time, il y aura des gens qui ne connaissaient pas le Seigneur aujourd'hui, today, mais quand l'Église sera enlevée, ils vont prendre conscience de ce phénomène, il y en a qui vont accepter le Seigneur, et qui vont persévérer dans leur foi, malgré la grande persécution. Il y en a qui vont être tués, comme des martyrs. C'est eux qu'on parlait des nations, d'une foule qui vient de la grande tribulation, parce qu'ils vont être tués, persécutés par le diable. Beaucoup vont être sauvés. Many will be saved. Aussi, and also, dont les gens qui vont rester, the people who remain, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, those who don't know the il y a Lord, beaucoup qui vont être sauvés. Many will be saved. Mais pour qu'ils soient sauvés, but il faut qu'ils acceptent saved, le Seigneur. They have to accept the et Lord. La parole sera annoncée par les 144 000 the missionnaires. The word will be preached by the 104 Jewish missionaries. Amen. Amen. Aussi, and also, la parole sera annoncée aussi parce que les 144 000 missionnaires vont être aussi tués. Because the 144 Jewish missionaries will also be killed. La parole va être annoncée par les deux prophètes the word will be preached by qui the two eux aussi prophets, vont être tués et enlevés par Dieu. They will be killed and then caught up by God. Et ensuite, un ange va annoncer la and parole. Then an angel will preach the word. Et pendant tout ce temps, and during that ceux qui n'ont pas connu le Seigneur avant l'enlèvement, l'occasion leur sera donnée they will have the d'entendre encore la parole. To hear the word et il y en a qui vont accepter. And there are those mais vont suivre une grande persécution. But they will suffer great persecution. Et le temps sera raccourci. And the time will be short. Et ceux qui vont persévérer those dans la voie du Seigneur ils vont être sauvés. C'est eux qui seront parmi cette foule de toutes les nations qui sont devant le Seigneur en train de prier. Alléluia. Of all the nations that are before the Lord. Maintenant, now, qu'est-ce qui va se passer des chrétiens? What's going to happen with those Christians? Qui seront pas enlevés? Those Christians who are left behind. Amen. Amen. Les chrétiens qui seront pas enlevés. Christians who are left behind. Le même phénomène qui est arrivé aux Juifs. The same phenomenon that happened to the Jews. Quand ils ont refusé Christ, when they rejected ça va leur arriver. It will happen to them. Qu'est-ce que le Seigneur va faire? What will the puisque Lord do? L'église va être enlevée. Because the church les chrétiens vont être enlevés, les vrais. Christians, the les true chrétiens Christians qui ne sont pas enlevés. The Christians Dieu va leur envoyer un esprit d'égarement. God is going to send them a spirit de la même manière dont aujourd'hui, quand on parle de Jésus aux Juifs, the same way when you talk to the Jew about et puis Jesus, ça les fait rire. And it makes them laugh. Ils ne croient pas. They don't parce que les Juifs, c'est comme s'il y a un esprit d'égarement. Because the Jews have a spirit of the, c'est comme s'il y a un voile dont ils n'arrivent like pas à comprendre. And they cannot understand. Ils ont du mal à accepter. They have a hard time. Ce même phénomène va arriver aussi that same phenomenon is going aux chrétiens qui vont rester. To the Christians who are left behind. Ils auront un esprit d'égarement. They will have a spirit of blindness. Donc ils ne pourront plus croire. They will not be able to believe.
Ils ne pourront plus être sauvés. And they will not be able to be saved. Quelqu'un m'aurait dit. Somebody could say. Qu'il y a un pasteur qui a prêché partout ici que. There's a pastor that preaches everywhere. Si tu n'as pas été enlevé premièrement. There's a pastor that preaches if you're not in the rapture. Il y a une autre chance pour toi. You have a second chance. Non, ça c'est pour les païens. That is for the pagans. Mais le chrétien. The Christian. Celui qui est chrétien maintenant. The one who's called a Christian goûté, now. Qui a été baptisé. Who's been baptized. Qui a goûté aux choses de Dieu. Tasted of the things of the Lord. Et puis tu n'as pas été enlevé. And you were not raptured. C'est fini pour lui. It's over for you. Il va avoir un esprit d'égarement. You will have a spirit of blindness. Son cœur sera endurci. His heart will be hardened. Il ne peut plus croire. He will no longer be able to believe. Mourir, and when he dies. Il sera condamné. He will go to hell. Eternally. On va lire ça. Let's read that. Matthieu 25. Matthew 25. Faut bien écouter. Hein. Listen very carefully. Du verset 1 au verset 12. Verses 1 to 12. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges. Le Seigneur compare l'église aux vierges parce que lui il est l'époux et nous sommes l'épouse. So the Lord compares the church to 10 virgins. We are the bride and he is the bridegroom. Amen. Amen. Qui ayant pris leur lampe allait à la rencontre de l'époux. Cinq d'entre elles étaient folles et cinq sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria : voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leur lampe. Les folles dirent aux sages : donne-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent : non, il n'en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Ceux qui étaient prêts entraient avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent : Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit : je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Alléluia. Amen. Matthew chapter 25 and verse 1. Then shall the kingdom of heaven be likened unto 10 virgins which took their lamps and went forth to meet the bridegroom. And 5 of them were wise and 5 were foolish. They that were foolish took their lamps and took no oil with them. But the wise took oil in their vessels with their lamps. But while the bridegroom tarried, they all slumbered and slept. And at midnight there was a cry made, behold, the bridegroom cometh, go ye out to meet him. Then all those virgins arose and trimmed their lamps. And the foolish said unto the wise, give us of your oil, for our lamps are gone out. But the wise answered, saying, not so, lest there not be enough for us and you. But go ye rather to them that sell and buy for yourselves. And while they went to buy, the bridegroom came. And they that were ready went in with him to the marriage, and the door was shut. Afterward came also the other virgins, saying, Lord, Lord, open to us. But he answered and said, verily I say unto you, I know you not. Watch therefore, for you know neither the day nor the hour wherein the Son of Man cometh. Alléluia. Amen. 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 Donc ce qu'il faut comprendre ici. So what you have to understand. Quand on parle des vierges. When we talk about the virgins. On parle de l'église. We talk about the church. Il y avait 10 vierges. There were 10 donc virgins. Donc c'est symbolique 10. So it's symbolic 10. Il y avait 10 vierges. There were 10 virgins. Il y avait 5 qui étaient sages. 5 were wise. Il y avait 5 qui étaient folles. 5 were foolish. Elles avaient toutes leurs lampes. And they all had la their lampe lamps. Représente la vie. The lamp represents the life. Amen. Donc la lampe est allumée. So the lamp was lit. Oui. Donc la lampe est allumée. So the lamp ça veut was dire qu'il y a le Saint-Esprit est dans la vie des gens. The Holy Spirit is in that person's amen. Life. Mais comme le Seigneur tardait à venir. Because the Lord tarried. Parce que nous sommes en train de parler du retour du Seigneur. Because we're talking about the Lord's comme return. Comme il tardait à venir parce qu'il y a des fois on est là on dit Jésus revient, revient. Comme because, il ne vient pas. You know, people are saying the les Lord's gens commencent à s'assoupir. Mais les sages avaient de l'huile en réserve. But the wise one had oil in reserve. Oh, les folles n'avaient pas de l'huile en réserve. But the foolish did not have mais any quand on dit l'époux est arrivé. But for the arrival. Les sages. The wise. Se sont ressaisis. Parce que comme eux tous s'assoupissaient. Because they all slept. Mais se sont ressaisis. But they se sont repentis. They repented. Et ils ont mis de l'huile. And they put oil in their lamps. Dans leurs lampes. In their et lamps. Les lampes étaient éclairées. And their lamps. Mais les sages. Lightened them, but the, et les folles. The foolish. Elles n'ont pas eu le temps de mettre de l'huile en réserve. Did not put oil aside. L'huile, the ça oil. Représente la, l'Esprit de Dieu, la sainteté. Represents the Spirit of God, mais puisque, le, puisque because ils n'ont pas mis de l'huile en réserve, they didn't put oil les folles, aside, the foolish quand dit le Seigneur revient, when they said the Lord is coming, ils sont allés demander aux sages, they went to ask the wise, donnez-nous un peu d'huile. Give us some ils dit, oil. Allez, vous m'allez chercher. They said, no, you gotta go and buy some. Mais quand ils partaient chercher, but when they went le Seigneur est venu, il a ouvert it, la porte, the Lord opened the il door, a fait rentrer les sages, and the wise il a fermé la porte.
And he closed the c'est door. Cette image-là and that's that image pour dire to tell you qu'elle va venir chercher son église. That when he comes to take his parce church, qu'on parle des dix vierges, because when we talk about the on parle des chrétiens de l'église. About the Christians ceux qui ne seront church, pas enlevés, those who are not raptured, ils ne vont plus avoir d'autres occasions. They will not have parce qu'après, ils vont venir dire au Seigneur, because they'll tell the Lord, s'il te plaît, ouvre. Lord, open the door. Ouvre maintenant. Open on the a door. Eu de lui, mais dit, c'est, il dit, je ne vous connais pas. But he'll say, I don't know you. It's over. C'est pourquoi il faut qu'on soit enlevé. So that's why we have to si be raptured. Un prédicateur t'a dit if a preacher tells you que, qu'étant chrétien maintenant, that if, when you're a Christian now, tu n'as pas été enlevé, you are left behind, et que au temps du, après, pendant la tribulation, tu vas être sauvé, and that you'll be saved during the tribulation, il t'a menti. He's lied. Amen. Amen. Il t'a menti. He has lied to you. Si tu as été baptisé, if you were baptized, tu as goûté aux choses de Dieu, and you've tasted of the things of the Lord, au Saint-Esprit, you've tasted of the Holy Spirit, dis qu'il t'a menti. Tell him he's lied c'est to fini you. Pour toi. It is et tu vas voir celui qui va rester va avoir un esprit d'égarement. And the people who remain c'est behind c'est will have a spirit lui, of delusion. The spirit that will come upon him. Il sera pas capable he will de not discerner les choses. Be able to discern things. Alléluia. Amen. Ça fait peur hein. It is scary. 2 Thessaloniciens 2. 2 Thessalonians 2. On va prendre du verset 9 au verset 12. Verses 9 to 12. 2 Thessaloniciens 2 du verset 9 au verset 12. 2 Thessalonians 2 verses 9 to 12. On va lire. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité mais qui ont pris plaisir à l'injustice soient condamnés. Amen. 2 Thessalonians 2 verse 9. Even him whose coming is after the working of Satan with all power and signs and lying wonders and with all deceivableness of unrighteousness in them that perish because they received not the love of the truth that they might be saved and for this cause God sent them strong delusion that they should believe a lie that they all might be damned who believed not the truth but had pleasure in unrighteousness. Alléluia. Amen. Est-ce que tu as bien compris? Have you understood this? Donc, si tu es un chrétien, so if you're a Christian, que tu n'as pas été enlevé, and you were not raptured, ça veut dire que it means si le Seigneur vient pour rencontrer les vierges, if the Lord comes to meet the virgins, et que tu n'as pas été une vierge sage, and you were not one of the wise et que tu te conduis en vierge folle, and you were a foolish et que tu n'as pas pu rentrer avec le Seigneur, and that you could not be raptured with c'est the fini Lord. Parce que quand il ferme la porte, because when he closes the door, même si tu es vierge, even if you are virgin, le fait que tu sois folle, the fact that quand you're tu vas foolish, venir taper à la porte, when you knock on il va te dire door, c'est fini. He's going to say no, no more chances. Et puis ensuite, and also, il va t'envoyer un esprit d'égarement. He will send you a strong delusion. Pour ne plus que tu aies la capacité de repentir. So that you will not have the ability to repent. Alléluia. Amen. C'est aussi dans le livre des Hébreux, mais je vais chercher la partie là après. It's also in the book of Hebrews. Parce que l'Hébreu dit que celui qui a goûté à l'esprit aux choses de Dieu et au-delà. Because Hebrews says the one who has tasted of the Lord will not have the ability to repent afterwards. Alléluia. Amen. 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 Et puis on va terminer. And let us end. Tous ceux qui seront fidèles à Jésus seront persécutés. All those who will be faithful to Jesus will be persecuted. Assurément, je ne parle plus des chrétiens, des chrétiens qui ne sont pas enlevés. I'm not talking about those Christians who parce are left behind. Frappés d'esprit d'égarement. They will be struck with mais a strong delusion. Mais je veux parler delusion. De ceux qui étaient païens maintenant but avant l'enlèvement. I'm talking about those who were pagans before the rapture. Ou bien qui étaient tout petits or who were young during et qui, the rapture. Après l'enlèvement, and after ont commencé rapture, à grandir, qui ont accepté Christ. That grew up and accepted Christ. Ils vont subir une grande persécution. They will suffer greatly. Et comme la Bible dit, le Seigneur dit qu'il a réduit le temps. And the Bible says the Lord has shortened the days. On peut lire ça dans Daniel 12, du verset 1 au verset 4. So in Daniel 12, verses 1 to 12, alléluia. 1 to 4, excuse me. On va lire ça rapidement. Let's read it quickly. Alléluia. Yeah, on va lire un peu, voilà. Daniel 12. En ces temps-là, s'élèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'en aura point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Toi, Daniel, tiens secret ces paroles et scelle-le
scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Amen. Daniel 12, verse 1. And at that time shall Michael stand up, the great prince which standeth for the children of thy people. And there shall be a time of trouble such as never was, since there was a nation even to that same time. And at that time thy people shall be delivered, every one that shall be found written in the book. And many of them that sleep in the dust of the earth shall awake, some to everlasting life, and some to shame and everlasting contempt. And they that be wise shall shine as the brightness of the firmament, and they shall turn many to righteousness as the stars forever and ever. But thou, O Daniel, shut up the words and seal the book, even to the time of the end. Many shall run to and fro, and knowledge shall be increased. Amen. Amen. Matthieu 24, à partir du verset 15. Matthew 24, verse 15. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Alors, que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Amen. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de Shabbat, car alors la détresse sera si grande qu'il n'en aura point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Amen. Amen. Matthew 24, verse 15. When you therefore shall see the abomination of desolation spoken of by the prophet Daniel, stand in the holy place. Whoso readeth, let him understand. Then let him which be in Judea flee into the mountains. Let him which is on the housetop not come down to take anything out of his house. Neither let him which is in the field return back to take his clothes. And woe unto them that are with child, and to them that give suck in those days. But pray ye that your flight be not in the winter, neither on the Sabbath day. For then shall be great tribulation, such as was not since the beginning of the world to this time, nor ever shall be. And except those days be shortened, there should be no flesh be saved. But for the elect's sake, those days shall be shortened. Apocalypse 6, du verset 9 au verset 12. Revelation 6, verses 9 to 12. Quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Il criait d'une voix forte en disant, « Jusqu'à quand, maître saint et véritable, t'as-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre ?» Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux. Il leur dit de se tenir en repos quelque temps encore jusqu'à ce qu'il fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Alléluia. Amen. Revelation 6, verse 9. And when he opened the fifth seal, I saw under the altar the souls of them that were slain for the word of God and for the testimony which they held. And they cried with a loud voice, saying, How long, O Lord, holy and true, dost thou not judge and avenge our blood on them that dwell on the earth? And white robes were given unto every one of them. And it was said unto them that they should rest yet for a little season until their fellow servants and their brethren that should be killed as they were should be fulfilled. Apocalypse 13, au verset 7. Revelation 13, verse 7. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Revelation chapter 13, verse 7. And it was given unto him to make war with the saints and to overcome them. And power was given him over all kindreds and tongues and nations. Apocalypse 13, du verset 15 au verset 18. Revelation 13, verses 15 to 18. Il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât et qu'elle fît que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque et le nom de la bête ou le nom de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nom de la bête, car c'est un nom d'homme et son nom est 666. Amen. Verse 15, and he had power to give life unto the image of the beast, that the image of the beast should both speak and cause that as many as would not worship the image of the beast should be killed. And he causeth all, both small and great, rich and poor, free and bond, to receive a mark in their right hand or in their foreheads, and that no man might buy or sell save he that had the mark or the name of the beast or the number of his name. Here is wisdom.
Let him that hath understanding count the number of the beast, for it is the number of a man, and his number is 666. Enfin, Apocalypse 20 au verset 4. So Revelation 20 verse 4. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assis fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnaient avec Christ pendant 1000 ans. Amen. Revelation 20 verse 4. And I saw thrones and they sat upon them and judgment was given unto them. And I saw the souls of them that were beheaded for the witness of Jesus and for the word of God and which had not worshipped the beast neither his image neither had received his mark upon their foreheads or in their hands and they lived and reigned with Christ 1,000 years. Alléluia. Amen. Donc pour terminer, so to end, je dis que ceux qui seront fidèles à Christ, those who are faithful to Christ, et je répète, and I repeat, je ne parle pas des chrétiens qui n'ont pas été enlevés. I'm not talking about the Christians who are left behind. Je parle de ceux qui, I'm talking, en ce temps-là, vont être évangélisés about those et qui vont accepter Christ et qui vont demeurer fidèles. Will ils seront persécutés. And be persecuted. La révélation de Daniel a dit que c'est un jour de grande détresse. It will be a day of que great la détresse est tellement grande qu'on n'a jamais connu ça depuis que la terre existe. It's nothing that we have ever experienced on this earth. Ce qui s'est passé à la Deuxième Guerre mondiale n'est rien par rapport à ça. Compared to the Second World War, it will be nothing. Et ce sont les chrétiens qui vont souffrir. And Christians are the ones who are going to suffer. Pourquoi? Why? Parce que le diable va contrôler le monde. L'antichrist va régner. Il va vouloir que tout le monde porte la marque de la bête. And he will want everyone to have. Alors que si tu portes la marque de la bête, tu ne peux plus être sauvé. You cannot be saved. Et la marque de la bête, the mark of the beast, ça va écrit, elle va être écrite sur la main ou sur le front. Or on the forehead. Et le nom, and the number, c'est 666. 666. On dit c'est le chiffre de, c'est le chiffre de l'homme. It is the number of man. Comme les gens disent, le chiffre 6 c'est le chiffre de l'homme. You know, man's number. Le chiffre 7 c'est le chiffre de Dieu. The number 7. Et le is chiffre God's 666 ça représente les 18 péchés. And the 666 represents. Et ce sont les œuvres de la chair. The works of the flesh. On dit les œuvres de la chair sont manifestes. It says the works of the flesh are made manifest. Donc, adultery. C'est la marque de la bête. So it is. Mais the c'est une marque. But quand mark, tu vas prendre cette marque, that when you take the mark, tu ne peux plus être sauvé. You can no longer be saved. Même si tu es chrétien, even if you're que tu as accepté cette marque, you accept the mark sur ta main in your hand, ou sur ton front, or on your c'est forehead, fini, tu ne peux plus être sauvé. It is over, you cannot be saved. Et les chrétiens qui vont refuser de prendre cette marque, to take the mark, ils auront du mal will be, à s'habiller parce que les magasins seront contrôlés. They cannot live because avant d'aller acheter quelque chose dans le magasin, before buying something, on va contrôler d'abord la marque. They will look for the mark. C'est ceux qui ont la marque qui peuvent payer quelque chose dans le magasin. And those who have the mark will be able to buy and sell. Pour travailler, to work, il faut avoir la marque. You have to have the mark. Pour se loger, to have il faut avoir la marque. To have a place to stay, it's pour the mark. Manger, il faut avoir to la marque. Eat, ça sera difficile. It will be difficult. C'est pourquoi les chrétiens de ce temps seront persécutés. That's why Christians in those days will be persecuted. Parce que le fait qu'ils vont refuser, parce que s'ils acceptent la marque de la bête, because if they accept to have the mark of the ils beast, sont condamnés éternellement. They will be eternally. Et quand ils vont refuser, and when they refuse, ils pourront aller nulle part. They can't go anywhere. C'est pourquoi le Seigneur dit prier pour ne pas que ce temps arrive en hiver. That's why the Lord says pray so that it won't et happen y a, in the winter. Et il y a 3 ans de cela ou bien 2 ans de cela. And it'll last for 2 years. En hiver, on était à l'église ici. You know, in winter we're et puis il y a quelqu'un qui est parti casser les vitres de ma voiture. And somebody went and broke the pour aller chercher à voler le GPS. They wanted to steal my GPS. Mais ce jour-là, but il faisait froid, peut-être moins 23 ou combien là. It was like minus 23. Depuis le matin, from jusqu'au morning la voiture to était evening, froid, et puis qu'on partait. That car was open and when parce qu'on ne peut pas mettre le chauffage en. Because you can't put on the heater. Mais écoute, parce qu'il faisait froid dans la voiture. It was so cold when we et j'ai commencé à penser. J'ai dit, mais ceux qui vont vivre, I said, those who are going to live through, au temps de la grande détresse, comment ils vont the faire? Time of the great tribulation, what will they do? Comment ils vont faire? How will they live? C'est pourquoi le Seigneur dit, il a rendu le temps court. That's why the Lord says, parce que pour aller travailler, because to work, le diable, ils vont te demander la marque. They will ask you to show them the mark. On regarde sur ta main, they'll look at your sur hand, ton front. They'll look at your tu n'as pas la marque, you don't have the mark, tu ne peux pas travailler. You won't be able to pour aller même prendre une maison. To rent a on va house. Voir si tu n'as pas la marque. Check tu vas prendre la parce que c'est une manière de mettre la pression sur toi. Because it's a way to pressure pour aller prendre you la marque. To go and get the mark. Si tu refuses de prendre la if marque, you refuse the mark, tu vas dormir dehors. You have to sleep outside. Et regardez l'hiver du Canada. And look at the winters here l'hiver in Canada. Terrible. This tu vas dormir winter dehors et personne ne va venir à ton secours. People will, you'll be sleeping une manière de te pousser à ce que tu viennes prendre la marque. It's to pressure you to take the mark. Les chrétiens de maintenant qu'on se connaît là. Christians that we know today. Il y en a qui ont dit Dieu est un Dieu de grâce. There are those who say God is a God of grace. Ils vont aller prendre la marque et puis ils vont prier dessus. They're going to take the mark and pray over it.
Il y en a qui vont faire ça. There are those who'll do that. Mais la Bible est claire. But the Bible is celui clear. Qui prend la marque ne peut mark plus être sauvé. Will not be able to be saved. Mais malgré ça, il y en a qui vont trouver des messages. But in spite of that, there are those who'll pour find dire, a message bon, va, je vais prendre la marque, that says, okay, mais you can take l'huile l'huile d'onction dessus. I'm going to put anointing oil on it. Ils vont appeler le prophète pour prier. Prophète. They're going to call a prophet to toi, pray for it. Tu ne peux pas être sauvé, c'est fini. You cannot be saved, it's alléluia. Over. Amen. C'est ça. And that's ça sera un temps difficile. It will be a hard time. Regarde actuellement où on peut évangéliser. Look at où this on time prêche et puis on ne te fait rien. Where we can preach the gospel openly tu, and nobody tu kills es resté. You. And you still can't do it. C'est ce temps-là que tu vas être sauvé. Entre nous. In the great tribulation, you're going to be saved. Amen. Amen. Là où le Saint-Esprit est là. Where the Holy, when où, the Holy Spirit où le vent is here, souffle, le vent de l'Esprit souffle. Where the wind of the Spirit où je peux parler de Jésus librement au Canada ici. Where I can talk freely about Jesus in Canada. Et puis la police ne vient pas me chercher. And the police will not come and arrest me. Alléluia. Amen. Et puis on n'est pas été enlevé. And we are left behind. C'est ce temps terrible. It's in those terrible days. Même la Bible dit qu'il n'a jamais eu ce temps-là. That this time never c'est la Bible même qui témoigne it's a Bible that qu'il n'a jamais eu ce temps-là. That this time never existed quand je regarde les chrétiens des pays développés en Afrique, when I look at Christians in developed countries, moi je connais le Canada. I know Canada. Les chrétiens du Canada. Christians of Canada. L'orgueil qui en eux. The pride tu lui dis un petit mot, il est fâché. Tell them a word, they're mad. Le pasteur il se prend pour qui il me parle. Pourquoi il me parle who comme ça? Who does the pastor think he is? Why is he talking to me like that? Mais il se prend pour un pasteur, c'est pourquoi il te parle comme ça? He takes himself for a pastor. That's why he's hey, talking to you like that. Mais je comprends pas. I don't understand. Mais c'est parce que le pasteur qui te parle comme ça? It's a he's because he's sinon, a pastor. Sinon, si le terrier pour toi, like il n'a pas te parlé. Because if he wasn't a pastor, he would not have talked to you like that. Il y a des gens qui ne veulent pas qu'on leur fasse des reproches. There are those who don't like to be si tu dis que tu pries pas assez. If you tell them you pourquoi don't pray tu dis qu'ils prient pas assez? Why are you telling them they don't pray enough? Si tu dis qu'ils ne font pas ça, if you say you don't do that, why are you talking to them, telling them that? J'ai dit mais ça c'est quoi tout ça là? I said but what is that? La Bible dit. The Bible says. Les hommes de Dieu. That the men veillent sur vos âmes. Watch over your souls. Nous sommes les gardiens. We are the guardians. Votre âme là. Your soul. Nous sommes les surveillants de votre âme. We watch over your soul. Il n'a pas dit de vos corps. He didn't votre say your âme. Body, but your soul. Parce que c'est la chose la plus essentielle. Because that's the most important et le Seigneur nous donne la responsabilité de veiller sur vos âmes. En vous prêchant non seulement la bonne parole, by not only preaching comme dans le livre de Daniel, like on dit celui qui va prêcher la vérité, il va briller comme les étoiles. Will shine like the stars. Donc ceux qui ne veulent pas que je prêche la vérité, là, so those who don't want me to preach the truth, ils sont contre moi. They are against me. Parce que, mais c'est ça, vous avez lu le livre de Daniel, non? Et tous ceux qui vont prêcher la vérité aux autres, là, ils vont briller comme les étoiles. Will shine like the stars. Dans l'église, je vais remarquer ceux qui n'aiment pas que je prêche la vérité. Those I notice those who don't like me to preach the truth in the church. Ils sont contre moi. Mais are against me. Entre nous. Between us. Si Dieu dit, if God si said, tu leur prêches la vérité, you, si tu enlèves, tu vas briller comme une étoile. Et puis lui, là, si je ne veux pas que je prêche, donc tu veux que je dise quoi? Truth, donc il veut que là-bas, je noircisse comme chose à du charbon. He wants my star to be darkened. Eh? Alléluia. Amen. C'est ça. That's c'est pourquoi je vous dis, lisez la Bible. That's why I tell you to read lisez the Bible. La Bible. Read the Bible. Les gens ne lisent pas la Bible. Et ils fatiguent les pasteurs dans les églises. And bother the pastors in ils the church. Fatiguent les pasteurs. They bother the pastors. Comme maintenant, on peut magasiner les églises. Like now they can il vient ici, for il est fâché, il s'en va là-bas. He hops from church to church. Tu dois chercher ton démon. You're gonna go and seek your. Quand tu viens le démon t'es fatigué, tu veux que moi il y en a qui veut que je fasse vite. There are those who want me to do it quick. Quand tu signes ton pacte, j'étais là-bas. When you signed your pact with the devil, was I there? Il faut attendre, on va prier. Wait and we'll pray. Tu dis faut faire vite. You tell me to do it quick. T'es parti chercher toi-même ton ami. You want and ton ami tu veux pas te laisser, tu dis moi the devil je vais faire vite. Quand tu venais, on t'a dit qu'il y a un magicien, on a dit un prophète. You know, when you did it, you heard dit, le prophète, il reçoit ce que Dieu lui dit. You know, the prophet receives what God tells him. Alléluia. Moi, je suis en train de faire la délivrance d'un frère ici. I was doing deliverance on a brother parce here. Que tu m'as regardé. Pastor Kim was watching. Pasteur Kim m'a dit. Pastor Kim said to me. Faut pas chasser tous les démons des corps. He says, do not chase away all the demons from the body. Il m'a dit ça ici. He told me that. Il était en train de crier ici. I was screaming and casting out demons. Il dit, faut pas faire ça. Tu vas he said, don't do that. You're going to burn faut pas chasser tous les démons des corps. You don't cast out all demons. Il dit, faut laisser. He said, leave, il dit, laisse, au fur et à mesure que cette vie grandit, as he grows, les esprits vont partir. The spirits will leave tu, comment, tu fais comme ça, tu vas t'épuiser. You do that, you're going to burn out. Alléluia. Amen. La dernière fois, j'ai fait la délivrance, ce n'est pas facile. Hein. Deliverance vous is savez not pourquoi easy. Les pasteurs ne font plus la délivrance you know ils sont attaqués. La dernière fois, j'ai fait la délivrance ici. Là. You know, deliverance, toute I did la nuit, je n'ai pas dormi. I didn't sleep je me suis retrouvé dans un monde. I was in a world. Oh. Ceux qui étaient autour de moi, those who are around je n'ai jamais vu des choses comme ça. I never c'est seulement en esprit like que tu peux voir ça. It's only in spirit that c'est you seulement see that. En son. Parce que si tu, it's tu vois ça en réalité, on va t'envoyer à l'hôpital. They'd have to send you to the mental hospital. Des gens, des hommes, mais quand tu vois le visage, tu sais comme des
you see bizarre. They had these weird. Je n'ai jamais vu ça. I've never seen it before. J'ai passé mon temps la nuit à lancer les pierres comme. I was just spending my time. Il y en a qui se transforment comme des singes, leur visage est comme des singes, sont comme des hommes, puis s'attaquent à moi et je commence à me battre. And they started fighting against me. Voilà, ce sont les esprits qui attaquent ceux qui viennent faire la délivrance. These are spirits that attack et ils viennent attaquer. Donc, quand un serviteur de Dieu fait la délivrance, il faut le respecter. At least respect him. Quand il te parle, il faut écouter. When he speaks to you, il y en a qui disent non. There are those who say, no. Il m'a parlé dur. He spoke tough to me. Il a parlé dur. I'm gonna talk tough. Parce que les esprits viennent m'attaquer. Because the spirits come and attack me after. C'est ça. And that's it. Et puis je pense aussi à mon fils spirituel qui va vouloir te marier. And I'm thinking of my spiritual son that wants to marry you. Je vais te corriger pour que tu changes. I'm going to correct you so you can change. Mais c'est vrai, c'est ça. It's true. Ah, ça là seulement, faut pas en jouer avec ça. You don't play around with that. Alléluia. C'est pour aller fatiguer quelqu'un, tu vas partir marier quelqu'un. You're going to marry somebody. Pendant 40 ans, tu vas le fatiguer qu'à lui-même. Bother him à la fin, for 40 years. Crise cardiaque. Until he dies of a heart attack. Et puis c'est même pas celui qui s'en va au ciel. And he won't be tellement il s'est battu ici. You fought so much chaque earth. Jour dans le foyer là. You know, because in the home. Il y a 24 heures non? There's 24 hours. Au moins s'il faisait 24 chicanes c'est bon. And mais il y a 24 heures mais lui il va faire 170 chicanes. You know, tellement. 24 hours it'll be 164 fights. La personne a l'onction de chicanerie. That person has an anointing to fight. Alléluia. Donc il multiplie 170 par dans so le jour. Multiply 170. Il multiplie par 40 ans. By 40 years each day. Hein? 175. Qui peut vivre avec ça? Who can live with that? À la fin, il meurt en crise cardiaque. At the end, he's going to die of a heart attack. Amen. Alléluia. Donc c'est ça. So that's donc it. Je vous dis. So I'm telling c'est you, très important. It's important. Alléluia. Les gens seront persécutés. People will be persecuted. Si tu ne portes pas la marque de la bête. If you take them, if moi, you don't j'ai take vu ça en hiver. J'ai dit, mais comment les gens m'ont fait pour tenir? And when I saw in winter how it worked, ça sera terrible. How will people stand this? It'll be terrible. Tu ne pourras pas te loger. You can't find a tu ne pourras même pas manger. You cannot tu viens. You come. Le gars te dit, mais ce n'est pas difficile. The guy says, it's not hard. Toi aussi, va prendre la marque là. Go take the mark. Dieu pardonne toi aussi. God forgives. Come on. Hey, c'est quelle église ça? What kind of church are you going to? Dieu était Dieu d'amour. God is a God of love. Il est mort pour nous. He died for us. Va prendre la marque, ça fait rien. Go take the mark. Don't worry about it. Pourquoi pour payer, tu veux lui donner la marque? C'est ça que je comprends pas. Why do you have to take the mark to buy something? Si tu prends pas la marque, tu manges pas. You know, if you don't take the mark, you will not be Alléluia. Able to buy. Amen. Amen. C'est ça. And that's the et problem. Tu pourras pas manger. You will not be able tes enfants to eat. Ne pourront pas manger. Tes your enfants vont mourir de faim devant toi. Will not be able to eat. They'll die of hunger in your face. On a parlé des comme on a parlé de cette église là. Autant en Roumanie, in Romania, autant du communisme. In the days of communism, il y avait un pasteur, there was a pastor qui s'appelait Richard von Brandt. J'ai lu son témoignage. I've read his testimony. Lui-même n'était pas pasteur. He wasn't even a pastor. On disait c'était un juif. He was a Jew. Comme au temps du communisme, in the days of communism, il ne doit pas avoir église. He was not allowed dans son village, comme il était juif, and because he was a les Jew gens sont allés chercher pour dire, comme tu es juif, donc il faut être pasteur. People came and got him and said, because you're a Jew, you can be our pastor. Il lisait la parole, il a commencé à annoncer la parole. He was reading the word, he started to preach. Mais les gens l'ont attrapé, les communistes. But the communists got a hold quand tu of lis les livres, c'est when you read his book, on les frappe. They hit him. On les tue. They killed lui-même, on dit qu'ils ont tué sa femme, ses enfants devant lui. I think they killed his wife and children. On dit tu abandonnes Christ ou on tue ta famille. They said, forsake Christ or we will kill your family. On les fusille. They shot at il him. Dit à sa femme, prends courage. He said, he told his wife, be brave. Si on te tue, t'en vas au ciel. If you die, you'll go to heaven. Tuer sa femme, tuer ses enfants. They killed his tuer wife, la femme des pasteurs, tuer la femme. Kill the wife, kill the children. Tuer les maris. Kill the husbands. Parce qu'on veut que les gens arrêtent because de croire en Christ. They wanted people to il n'y avait pas de Bible. There was no Bible. Ce qui m'a touché, and what touched c'est qu'il disait que he said, il déchirait les pages de la Bible parce que la Bible ne circulait pas. The Bible was not circulating. Il y en a qui déchirent une page de la Bible. So, there were those who would tear et la seule page feuille, of the Bible. C'est ça ce qu'ils ont parlé. And they had one page of the mais Bible j'ai pleuré. And he cried. I cried. Il y a un qui disait que la nuit, il se cachait puis lisait. He would hide. Il y a des fois, c'est le seul passage à qui lit. Sometimes it was only one passage. Et il croyait. And he believed. Ici, là, tu vois certaines personnes, leur Bible, ça dépasse même la maison du premier ministre. You know, their Bible, some people's Bibles are bigger than the prime minister. Mais ils n'ont jamais lu ça. And they'll never crack it open. C'est la vérité.
It's the truth. Quand j'écoutais ça, j'ai voulu pleurer. When I, ça donnait envie I heard de pleurer. That, I wanted to cry. Ils n'avaient pas de Bible. They had no donc, Bible. Ils prenaient, quand, parce que si tu envoies la Bible avec toi, because on if you t'est dit. Bible, if they saw you with a Bible, donc chacun prend une partie. So everyone would take a page. Il y en a qui déchirent comme ça par hasard. Des fois même, ils déchirent, mais ils ne voient pas l'autre partie. Mais parce que le verset est coupé au milieu. Mais c'est debout, le petit, ils croient ça. But they would believe in the little c'était comme un trésor. It was a treasure. C'est terrible. It was a terrible time. Et lui, il évangélisait. And evangelized. Les communistes ont attrapé. The communists arrested him. Vous voyez comment le diable anime les gens? And you see how the devil kills people? Il y a un qui a dit, si on te tue, if we kill you, tu vas directement au ciel. You're going to go to heaven. On va t'attraper. We're going to on va te persécuter quand tu vas renier Christ. We're going to persecute you till you deny Christ, and then we'll kill you. Vous voyez ça? Do you see the mentality? Il dit si on te tue là, tu vas partir au ciel. He says no, if we kill you right away, you're going to go to heaven. C'est trop facile. On va te persécuter au moment où tu as dit j'abandonne Christ, boum. We're going to persecute you till you deny Christ. Mais ils ont fait le pas plus. Then we're going to kill you. Et ils l'ont mis en prison. They put him in prison. Et ils l'ont mis en prison avec les chrétiens. With Christians. Et quelqu'un est parti faire caca. And somebody went to the toilet number et on lui a dit de prendre les caca pour donner aux chrétiens pour faire comme la Sainte Cène. And they told him they had to take the feces to use as Holy Communion. Il a refusé. He refused. Ils l'ont attrapé. Ils l'ont frappé. They took him and they hit him. Il y a un pasteur là, lui, il y a un prêtre là, il dit, ah, il a trop souffert. And there's a priest that said he suffered a lot. Il dit qu'il a souffert plus que Jésus. He suffered more than Jesus. Il met sa main dans le truc là, il dit, allez toi, viens, prends, lave ça. You know, he said, I've suffered more than Jesus. Here, take the. Et il a dit au prêtre, mais qu'est-ce que tu fais? And he told the priest, but what are you doing? Le prêtre dit, faut pas me juger. The priest said, don't judge me. J'ai souffert plus que Jésus. I suffered more than Jesus. Le gars dit, t'as souffert plus que qui? Jésus. Richard says you suffered more than Jesus. C'est ce qui va arriver. And that's what's going to happen. Au temps de la persécution. In the days of the persecution. Nous on a les actuellement, on n'y pense pas. Right now we don't think of this. C'est pour ça que les gens s'amusent dans les églises. That's why people play around in the church. 1, 2, 3, c'est là, ça se fâche pour rien. 1, 2, 3, they're angry for nothing. Pour rien. For nothing. Parce qu'on est trop à l'aise. Because they're too comfortable. Mais le temps de l'Antichrist. But the days of the Antichrist. Ça ne sera pas un jeu. It will not be a game. Si tu dis que tu ne prends pas la marque de la bête. If you refuse the mark of the beast. On prend ta famille, on les met là, on met les têtes là. They'll take your family and put them in the guillotine. On a dit quoi? Ceux qui ont été tués, persécutés, décapités. Those who were beheaded. Vous avez vu la guerre de Rwanda là? You see the Rwandan war? Où on prend les machines tout pour découper les gens. C'est ce qui va arriver. And just cut up people. Pas des décapités là. Cutting c'est ça. People up, and that's what they're ils vont prendre, il va prendre comme ça, les peuples la machette. They'll take people and they'll take the machete. Il dit, et puis quand tu dis je prends pas la main de la bête. And when you puis, say you refuse, il fait sur le goudron. He's gonna sharpen his machete on the sidewalk on the pavement. Il dit quoi? He said what are you saying? Attends, tu vois le visage. And you'll see their face. Un visage méchant. A mean wicked dit, face. Il fait grrr. And he'll be scraping that machete on the sidewalk. Toi, tu as dit non. Après tu as commencé à parler doucement. Non, je prends pas la marque. You'll start whispering grrr. Now. I don't take the. I'm not gonna take the mark. Il dit quoi? And he'll look at you and say, what did you tu say? Dis, non, je vais prendre, un seul six. And you'll say, no, I'm going to just take one of the sixes. And he's going to be scripting. Lui-même, il est habité par le diable. Because he'll be filled il with the devil. Découper. He is going to cut you to pieces. Après, tu as dit, ah, donne-moi deux six là. Okay, so you'll say, okay, give me two of the sixes, two of the three donc, sixes. Il sait qu'il est pas loin, il fait grrr. And he'll be scraping that machete on the sidewalk. Tellement tu vas zélé. And you'll be so zealous afterwards. Tu dis, donne-moi les quatre six. Says, alors que c'est 3, 6, 6. Toi, tu as dit non. You'll say, give quatre. Me the 4 sixes instead of the 3 sixes. Il va te you'll dire be so non. Zealous to take the mark now. 3, 6, 6, 6, 6, ça t'arrange. Instead of 6, 6, 6, you'll be taking hallelujah. The 4 sixes. Amen. On est trop bien. We're too c'est well off. On doit s'arranger pour partir. That's why we have to make sure tu vas être découpé. You'll be cut up tes enfants pieces. Vont être découpés. Your children ta will be femme va être découpée. Your wife will ta be cut famille to va être découpée. Your children will be cut c'est terrible. It is terrible. Je vous dis la vérité. I'm telling you the truth. Quand moi j'étais en Côte d'Ivoire, quand il y avait les troubles, la guerre n'était pas encore arrivée. The war didn't happen ceux qui ont vécu yet. La guerre encore, ils disent que c'est terrible. Those who lived through the war said it was moi, en mon temps, la guerre n'était pas encore arrivée. In my days, the war mais les armes circulaient déjà. But the arms, weapons were circulating. Je suis allé à une station de gaz. I went to the gas pour station payer le gaz. To buy gas. Il y a un voleur qui est sorti comme ça. And a thief came out. Avec son arme. With a pistol, with a gun. Boom, boom, boom. And all you hear was shots fired. À côté de moi. Beside me. Boom, boom, boom. I heard shots quand fired. Quand tu entends le bruit de l'arme. When you hear the noise of c'est shots. Comme ton âme, c'est comme ton âme quitte en toi. It's like your soul leaves your body. Et il est venu comme ça sur moi. And he came il dit si tu t'amuses, je vais te descendre. He said, if you play around, I'm gonna shoot. Et j'ai vu dans ses yeux. And I saw il était eyes. Rempli de drogue. He was filled with drugs. Je suis resté tranquille. I stayed quiet.
J'avais de l'argent, beaucoup d'argent dans la poche. I had a lot of money in my pocket. J'avais mon cellulaire en main. I had my cellular in J'ai my hand. J'ai jeté mon cellulaire tranquillement puis tapé ça pour mettre ça sous la voiture. I threw my cellular on the floor and Et il a commencé à me fouiller. And he started. Mais lui aussi il avait peur parce qu'il y a des policiers chez nous. Because there are police officers qui s'habillent aussi en civil. Who also dress Donc like civilians. Ça, les policiers aussi les tuent. And when they do Donc that, the police officers kill them. Et so I saw quand c'est comme ça, ils sont encore plus dangereux. And it's even more dangerous. Et le problème like c'est que. And the problem is. Au début je voulais me défendre. I wanted to defend myself. Mais il sait pas avec parce qu'il y avait le monde, il sait pas. Parce qu'il y a des fois, ils ont des complices. Because sometimes they have associates qui sont un peu en décalage. That hide themselves. Mais dès que tu te défends, ils peuvent venir tirer sur toi. But as soon as they see trouble, they come Je and shoot tranquille. You. So I stayed il quiet. Il me fouillait en tremblant. He mais il avait peur d'argent, mais comme il avait tellement peur aussi, il n'a pas vu l'argent. Because he was so nervous, he didn't find the money. Et puis il m'a dit, tu bouges pas. He says, don't move. Moi, j'ai vu un monsieur. I saw a man. Il y avait, à côté, il y avait l'autoroute. And there was a highway beside. Lui, il a commencé à traverser la route là. He started crossing the highway. Il faut le voir dès février en voiture. You should see them going through the cars, running through the cars. Dit, hey, le voiture va tuer celui-là. I said the cars are going to kill him before anything else. Mais parce que si tu vois partir. Because if they go to. Parce qu'ils savent que si tu es loin, tu peux appeler la police. Because he knows if you're far away, ils sont capables de tirer sur toi. They would shoot at you. Et j'ai vu les armes. And I saw the weapons. Mais imagine au temps de l'Antichrist. Imagine in the days of the Antichrist. Où ça sera comme légal. Where it will be legalized. Tu fais comment? What will you do? Alléluia. Amen. 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 Que le Seigneur nous soutienne. May the Lord support us all. Vraiment qu'on soit enlevé. Oh, that we will be Faisons raptured. Tout pour aller. C'est pourquoi on dit prions pour que l'Esprit nous visite. That's why we say pray for the Spirit to Parce que vraiment, si tu restes ici, c'est pas bon. Because if you are left behind, it won't be good. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit béni. May the Lord be on blessed. On acclame la parole du Seigneur. Give the Lord's word a clap.